Alors bonjour tout le monde, c'est Christian Aubry, je suis donc à l'OACI ici que vous reconnaissez pour ceux qui sont déjà venus à Webcom. Voilà. Et on est il est 4h d'après-midi à peu près, on est à quelques heures de la conférence Webcom. Et voici à quoi ressemble l'entrée de la conférence, l'entrée du foyer. Aujourd'hui il y avait un événement, donc un événement qui concernait l'aviation civile internationale, comme vous pouvez le voir ici. Et donc demain matin, c'est la grande messe du Web 2.0 et des technologies Internet d'entreprise. Alors voici l'équipe qui est en train de tester. Okay. Et donc, oups, on continue. Voici le grand foyer où auront lieu demain les cocktails, etc. C'est ici, en plein montage. Et puis voici la salle de conférence. Bonjour madame. Et donc le kiosque de Webcom Live sera près de l'entrée ici à votre droite en rentrant. Donc en fait quand vous arriverez, vous jetterez un œil à votre droite, droite devant moi, là derrière la magnifique poubelle de recyclage. Et ce sera le kiosque de Webcom Live et du lien multimédia où donc j'officierai avec Charles Frémont, Steve Laprise et également Sandrine Fromtet, donc qui sera là en délégué par Agent Solo et notre ami William. Sinon, côté conférence, ben les salles sont, comme d'habitude, toutes prêtes à fonctionner. Voilà, rien de neuf. Et d'ici peut-être une demi-heure, je vais faire une première entrevue dès que ma caméra sera installée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, comme vous voyez. Mais dès que la caméra sera installée sur le kiosque, dès qu'on aura accès au kiosque et à la ligne de Bell, 1 mégabit que je dois avoir pendant Webcom automne 2009, eh bien, je pourrais faire une entrevue avec notre ami Michel, que voici, bien occupé. Bien occupé, Michel. Voilà. Alors, à tout à l'heure, à demain pour tout le monde, à plus tard pour les conférenciers qui se retrouvent donc en soirée pour un petit cocktail de bienvenue, et à demain pour tous les conférenciers et les participants à la conférence. Et puis, je vous donne rendez-vous sur sn.im/webcom-live ou sur le canal Ustream de Webcom Live, donc demain à partir de